Regardez, oh, le message est parti. Mais revenez en arrière et mettez pause. Il y avait Lola sur ton compte, mais comment tu ne l'as pas respecté? Mais comment tu n'as pas respecté? C'est Lalo, c'est pas Lola, c'est Lalo. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et écoutez, j'ai eu une idée. Alors en tournant la vidéo pour le recyclage des affaires, je me suis dit ça peut me donner une idée pour un côté un peu plus fun, faire une version un peu plus fun. Et comment dire, on va aller dedans. Le but, bah, je pense que vous l'aurez compris dans le titre, mais voilà, faire un recyclage, une page, un recyclage, donc obligé, c'est-à-dire que même s'il y a tout qui me plaît sur la page, je suis obligée de choisir une chose à recycler, et j'avais pensé à faire peut-être les accessoires ou les cheveux, je sais pas encore, peut-être les cheveux, tiens. Bah tiens, on va partir sur les cheveux. Bon, il y a juste une chose que je ne vais pas faire, parce que moi en soi ça m'aurait pas dérangé, mais d'un côté ça me dérange pour vous, et je pense que vous, ça vous aurait dérangé également. Vous voyez par exemple, là on est sur une page de rare, je vais pas recycler un rare, je préfère le garder et vous l'offrir que de le recycler, parce que déjà d'une, moi je sais qu'il y en a qui m'auraient énormément insulté sous la vidéo, oui tu recycles, alors il y a des gens qui aimeraient bien l'avoir, etc, etc, etc. C'est pour ça que je ne ferai pas de recyclage de objet rare, sauf si je ne sais pas que c'est un rare et je recycle à ce moment-là, vous pourrez me le dire en commentaire, mais ne m'insultez pas, c'est que je n'aurais pas su. Voilà. Et du coup, bah, pourquoi je suis dans les cheveux et ça me montre ça? Voilà. Alors, en général, justement, ils mettent les rares dans les premières pages. Du coup, là, je suppose que c'est que des rares, même ça. Alors ça, je les supprimerais bien. Mais on va partir sur des cheveux non rares. Alors là, je sais que c'est des rares, ça. Je le sais bien. Du coup, si cette idée de défi vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je fasse un autre truc. Par exemple, la prochaine fois, je ferai le défi là, mais avec les accessoires ou avec les objets, ce genre de choses. Ça, je sais aussi que c'est des rares, que c'est des rares, rares. La bohème. Faut que j'arrête. Ça, par contre, je crois que ce ne sont plus des rares. Par contre, ceux-là, j'ai un doute. Mais bon, on va partir à pas. Bon, sauf ceux-là, je crois que c'est des rares. Mais ça, je crois que c'est plus des rares. En tout cas, dites-le-moi. Et du coup, on va recycler ça. Vu que je l'ai en triple. Voilà. Donc, bien sûr, je suis désolée, hein, mais ça va mettre un petit peu de temps. Puisque vous remarquerez qu'au moment... Alors, je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais je crois que oui. Parce que j'avais posé cette question en live et on m'avait répondu que pour vous aussi, ça mettait du temps. Mais est-ce que ça met autant de temps aussi? Vous voyez, regardez, j'ai recyclé, j'ai tourné la page et ça a mis 30 ans à la tourner. Alors là, on se retrouve avec les mêmes coupes. Bah écoutez, je crois que celle-là, elle ressemble énormément à la couleur, enfin quoique. Ouais, non, on va recycler celle-ci. Et on passe à la page suivante. Et à chaque page, là, jusqu'à bon, à un moment donné, je m'arrêterai bien sûr, mais voilà. Il faudra toujours que je recycle une chose. Alors j'espère que je vais pas tomber sur une coupe que j'aime bien. Parce que sinon, ça me ferait un petit peu chier. Mais bon, allez, on croise les doigts. Alors ça, par contre, je crois que c'est des rares. Alors, me dites pas que j'ai fait des rares tout à l'heure, mais je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai peur que ce soit des rares aussi. Et c'est ça le problème, c'est que je m'y connais pas. Ça, je sais que c'est des rares. Du coup, ça aussi, ce sont des rares. Ça aussi. Ça aussi, je pense. Bah écoutez, on va aller un peu plus loin. Je vais fermer les yeux, je vais cliquer plusieurs fois. Hop, je vois pas ce qui défile. Et stop. Voilà, donc à partir de là, normalement, il devrait y avoir moins de rares. Et on recycle un objet par page. Bon, là, je serais même tentée d'en recycler même plusieurs, hein, parce que j'ai plusieurs, je dois en avoir quand même pas mal, hein, des coupes de ça. Je crois que c'est à Shadow Dancer, celle-là, qu'elle s'appelle même la coupe. À force de la recevoir, je connais le nom. À moins que je me trompe, mais il me semble que c'est ça, c'est la Shadow Dancer. Confirmez-moi dans les commentaires si c'est ça ou pas. Alors ici, bon, on va enlever celle-là. Hein. Jaune pipi, faudrait que je l'envoie à Madame Toilette, celle-là, en fait. Hein, vu la couleur qu'elle a, Madame Toilette aurait été contente de la recevoir. C'est un jaune pipi, mais un pipi clair, tu vois. Et du coup c'est parti pour tourner la page. La bohème. Alors, Zinex, qu'est-ce que nous avons sur la prochaine page? Allez, tourne. Ça m'énerve que ça mette autant de temps parce que je suis stressée de savoir ce qu'il peut y avoir sur la prochaine page. Et ça met 30 ans. Là, ça va être un peu plus compliqué. En soi, les coupes sont sympathiques. Les coupes sont sympathiques, sont originales. Même si, voilà, il y en a qui sont un... Bon, j'aime pas forcément les couleurs de toutes, mais elles sont toutes originales. Celle-là, je vais la garder. Voilà, par contre, ouais, je suis dans un dilemme, parce que là, je ne sais pas. Celle-là, elles m'ont l'air sympa aussi. Celle-là également. Ah, je sais pas. Oh là là, quel dilemme. J'hésite entre celle-ci, peut-être, et celle-ci. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pique-ni-douille, c'est toi l'andouille. Eh bien, écoutez, c'est tombé sur celle-ci.
Et on continue. Oh là là, oh le dilemme, le premier dilemme. C'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais bon, c'est bien quand on a plusieurs coupes, mais que d'une couleur, ou bien de deux, voire limite comme celle-ci, mais deux couleurs différentes, ça devient compliqué. Là, par exemple, c'est un peu moins compliqué. Parce que je les ai en plusieurs fois. J'ai celle-ci qui se ressemble, mais celle-ci, elle m'arrache un peu plus les yeux. Elle me pique un peu plus les yeux au niveau des couleurs, donc on va recycler celle-ci. Celle-ci est sympa, là. Regardez, vous avez remarqué ? Là, c'est la même, sauf que là, il y a des petits, impression des petits trucs, un petit accessoire supplémentaire qu'il n'y a pas sur les autres. Alors, je sais pas du tout. D'accord, donc ça doit pas être forcément la même. Oui, parce qu'en plus, regardez les points, c'est différent. C'est la même coupe, mais avec un accessoire en plus. D'accord. Alors, the next. Eh bien. Par exemple, celle-là, je sais que je l'ai en plusieurs fois déjà. Mais les couleurs me plaisent bien. Qu'est-ce qu'on fait? Les couleurs me plaisent bien. Bon, on va recycler celle-ci. Il y en a que... Tu vois, j'ai un doute. Par exemple, là, je me dis, ouais. Peut-être que c'est des rares, je sais pas. Je me rappelle pas. Celles-là aussi, elles sont pas forcément jolies. Quoique, celle-ci, elle passe. Celle-ci, un peu moins. Mais vu que c'est une coupe que je vois pas souvent... Quand je vois pas une coupe souvent, bah j'ai peur en fait de la recycler. J'ai un petit peu peur. Là, voilà, c'est un peu moins compliqué. Waouh, celle-ci est trop magnifique, mais c'est un peu moins compliqué. Celle-là, vu que je l'ai en double, hein. On prend pas de risque. On recycle la coupe qu'il y a en double. Voilà. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, il y a un peu plus d'adrénaline. Je dis mince, sur la prochaine coupe, par exemple, il y a que des coupes comme celle-ci. Comment je vais faire? Parce que je les adore, elles m'ont coûté un certain prix. Qu'est-ce que je disais? Mais là, du coup, il n'y a que celle-ci. Non, mais celle-là, je veux pas les recycler. On va recycler celle-ci. Celle-ci, je veux pas les recycler. Je les adore trop. J'ai eu de la chance. Hein, parce que franchement, vous imaginez, qu'est-ce que je disais? S'il n'y a que cette coupe-là partout, que même ici, par exemple, j'aurais été obligée de recycler au moins une. Vous voyez, en plus, je fais cette vidéo sans couper la vidéo. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a aucune triche. La vidéo n'est pas coupée. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je vais regarder celles-ci, elles sont bien sympathiques. Celle-là fait un petit peu mal aux yeux. Du coup, on va recycler celle-ci. Voilà. Elle a fait un petit peu mal aux yeux. Mais bon, ça, au moins, ça lie l'utile à le pas agréable. Hein, parce que c'est vrai que recycler, c'est pas forcément amusant. C'est pas forcément drôle. C'est pas, voilà, c'est pas divertissant. Alors que si en même temps, on fait un petit jeu. Bon, certes, si tu recycles un truc qui te plaît, voilà, t'es un peu dans le mal. Mais voilà. Bon, après, c'est vrai que je recyclerais beaucoup plus de choses si je le pouvais, puisqu'il y en a certaines choses que j'ai vraiment, vraiment tellement d'exemplaires. Et du coup, bah là, par exemple, j'ai en double, donc la question ne se pose pas. Directement, on recycle celle-ci, et puis on continue sur the next page, et on tombe sur ces coupes-là. Donc, vous voyez, c'est la même coupe, mais par exemple, il y en a qui me font un petit peu mal aux yeux. Hein. Celle-là, elle me plaît bien, celle-là aussi, celle-là, ça passe, celle-ci aussi. Par exemple, les trois-là, bah celle-là, je l'en double, hop. Ça pique un petit peu les yeux, quoi, les couleurs, des fois. Donc, bon, certes, des fois, c'est amusant d'avoir des couleurs qui piquent les yeux. Il y en a, je sais qu'ils le font aussi exprès de prendre des couleurs qui piquent les yeux. Hein. Pourquoi pas? Mais moi, j'aime bien quand c'est uni ou quand ça fait un joli petit dégradé. Ouais, là, par contre, je crois que c'est la coupe de base du game. Donc, ça, limite, je les aurais limite tous recyclés. J'aurais peut-être gardé juste un blond, un brun. Et puis voilà. Bon, même un roux, mais ouais, on va enlever le violet. Mais il y en a pas mal que j'aurais dégagé en temps normal. Il me semble vraiment que ça, c'est la coupe de base. Quand tu crées ta movie star, tu as cette coupe-là. Et du coup, je la reçois en tellement d'exemplaires. Et puis même, si un jour tu disais que finalement, elle te plaît bien et que tu la reveux, bah, tu crées un compte vite fait et tu te l'envoies la coupe. Quoi. C'est pas bien grave. Vous voyez, regardez, là, par contre, ça fait un peu... Je vais enlever celle-ci. Vous voyez. Ah, mon petit chat. Oups, désolé le micro. Bah, d'ailleurs, j'ai petit chat qui est sur les petits genoux. Il vous dit bonjour, petit chat. Il dit bonjour au citron. Oui. Oh, il est trop chou. Il est trop choupinou. Bon. Ça, c'est pas la coupe de Pixie, ça, à un moment donné. De la Pixie sur la photo, là. Du coup, on va recycler une de ces coupes. Ouais, quoique. On peut recycler celle-ci. Hein. En plus, je suis sûre que sur la prochaine page, il va y avoir que des comme ça. Vous allez voir. Des comme ça en version brun, version toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si tu veux. Parce que cette coupe-là aussi, c'est une coupe de base du game. Et on me l'envoie plein de fois en cadeau. En soi, elle n'est pas moche. Hein. La coupe en soi n'est pas moche. Je trouve qu'elle passe en plusieurs couleurs. D'ailleurs, je vais enlever celle-ci. Franchement, elle passe.
Parce qu'en blond, machin, une couleur, même en roux, ça passe, en noir, en acajou, dans toutes les couleurs. À la limite, ça passe dans toutes les couleurs, même en rose, dans des couleurs un peu plus spéciales. Je trouve qu'elle tombe bien, ça va bien avec n'importe quelle tenue. Franchement, en plus, si vous accessoirisez, je vais y arriver, cette coupe-là, eh ben écoutez, ça passe, quoi. Parce que là, vous mettez un petit chapeau avec, ou un petit truc dans les cheveux, ou avec un joli look. Franchement, on dirait même plus que c'est une coupe de base du game, quoi, que tu as au tout début. Et ça, c'est pas mal quand même. Donc voilà, gardez un petit exemplaire, pourquoi pas, mais je les ai... Oh bah tiens, celle-là, je l'ai en deux fois, on recycle. Mais là, par exemple, celle-ci, elle est pas mal, hein, regardez. Avec les petites nuances blond châtain, j'adore. Par exemple, celle-ci, la couleur, elle fait un peu... Elle pique les yeux, mais je l'ai qu'en un seul exemplaire, du coup, je la garde. Voilà, quoi. Oh, celle-là, je l'ai en pas mal d'exemplaires aussi. Bon, pour l'instant, ça va, franchement... On s'en sort plutôt pas mal dans cette vidéo, on ressort plutôt bien. Je suis pas encore en PLS. Bon, c'est vrai que d'un côté je me dis, ouais, ce serait bien quand même que j'ai un dilemme plus difficile que voilà quoi. Mais bon, pour l'instant ça passe, peut-être plus loin dans la vidéo, mais pour l'instant ça passe quand même. Donc celle-ci je l'ai en 300 000 fois exactement, celle-là pique un peu les yeux, on va l'enlever. Un petit chat, un loulou. Ah, mon chaton, ben oui, miam miam miaou. Après c'est vrai que pourrait faire un défi encore plus compliqué, genre je sais pas moi par exemple faire un générateur de nombres entre 1 et 8 et faire genre sur la page 1 ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et genre cliquer sur générateur et ça te sort un chiffre aléatoire, ce sera encore pire. Parce que là tu ne peux pas choisir, parce que là encore tu peux choisir celle qui est en double, celle qui te plaît pas, etc. Mais en soi, c'est vrai. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une version avec un petit générateur de chiffres ou un truc comme ça pour qu'on puisse voilà, retirer et que ça soit un peu plus, entre guillemets, flippant que ça. Parce que là, c'est un peu trop facile. Effectivement, c'est un peu trop facile. Mais c'est aussi peut-être que j'ai beaucoup d'affaires. Peut-être que si je continue à recycler, au bout d'un moment, les affaires vont, entre guillemets, il va y en avoir beaucoup moins. Et du coup, au bout d'un moment, il va falloir forcément recycler des choses qui nous plaisent. Parce que ce sont des choses que j'aurais gardées, finalement. Et pour toutes les personnes qui disent... bon, je le dis souvent, hein, en live ou en vidéo, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui se posent des questions... du coup, pour toutes les personnes... Celle-là, elle est sympa aussi, hein, cette couleur-là. Celle-ci aussi. Bon, on va prendre celle-ci. Il y a toujours des nouvelles personnes, du coup, il y en a toujours qui vont râler. Mais pour toutes les personnes qui disent, oui, mais Quinzel, pourquoi tu recycles? Pourquoi tu donnes pas tes affaires? Mais je donne déjà 25 affaires par jour. Je donne déjà 25 cadeaux par jour. Et le problème, avec la limite de place, je ne peux pas en envoyer plus. Et je suis obligée de un petit peu... faire un énorme tri dans mes affaires parce que j'ai plein de cadeaux qui datent encore de août 2017, hein, qui n'ont pas encore été ouverts jusqu'aujourd'hui, hein, parce qu'en août 2017 c'est à peu près le mois où j'ai perdu pied et je n'arrivais plus à ouvrir les cadeaux que vous m'envoyez. Et du coup j'avais ouvert plein de cadeaux entre temps. Entre temps je fais aussi également les vidéos dans lesquelles... Alors là attendez, on va prendre celle-ci. Il y a aussi... Ouais, parce qu'il y a un truc avec des machins, je crois que c'est pas des rares, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux versions, mais je suis pas sûre. Comme je disais, il y a des... Enfin, il y a aussi mes vidéos où j'ouvre les cadeaux, du coup je suis encore en train d'ouvrir les cadeaux, du coup je suis encore en train, entre guillemets, de renflouer les placards, et je reçois plus, beaucoup plus de cadeaux que je ne peux en ouvrir finalement, et du coup, des cadeaux, j'en ai plein pour vous, tous les jours, 25 cadeaux, je vous les envoie, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même que je fasse un tri à côté, sinon je n'arriverai pas à ouvrir tous les cadeaux. Du coup voilà. Bah, écoutez, là j'hésite un petit peu pour cette coupe là, j'hésite. Oh là là. On va enlever celle-ci. Mais écoutez, on va faire encore 2-3 pages. Parce que c'est vrai que c'est un peu long quand même avec le chargement. Et ça par contre c'est un petit peu dommage, Movistar Planet, que si vous m'entendez, si vous passez sur cette vidéo, Movistar Planet, hein, ce serait pas mal de régler ça, qu'on puisse recycler rapidement les objets et pas mettre 30 ans dessus parce que sinon c'est un peu chiant. Ah bon, j'avais acheté cette coupe. C'est une diamant, je ne savais pas. La fille qui découvre. Oula. Attendez. Tiens, on va enlever celle-ci. Allez, encore 2 pages. Mais ouais, comme je disais, voilà. Ne m'en voulez pas si je fais ce genre de vidéo. Hein, c'est... Voilà. Des cadeaux, je vous en offre tous les jours, 25, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué.
Là, celle-ci, elle est un peu en double. Et du coup, dernière page, ce serait sympathique. Oh, regardez, une en diamant. Ça, j'avais fait, mais à couleur, genre rose-violet, il y a super longtemps. Pour ceux qui se rappellent, j'avais acheté cette coupe parce que j'avais les cheveux justement rose-violet. Là, ça fait plus rose-bleu. Et encore, limite, le rose, il est limite parti, limite complètement. Mais vous voyez plus sur le live. Et du coup, bah, pour cette coupe-là, bah, écoutez, on enlève une qui est en quadruple, cinq-tiple. Vous voyez, vous comprenez pourquoi je vous offre des cadeaux, j'en ai plein en double, etc., en doublon, en quadruplon, en dituplon, hein. Bref, vous me comprendrez. Enfin bref, voilà, cette vidéo est finie, n'hésitez pas à me dire si ce nouveau, on va dire, vidéo, enfin, format de vidéo vous intéresse. Et comme d'habitude, hein, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, portez-vous bien, à plus, c'était la quinzelle.